Mila Jasmine, pour la première fois depuis qu'elle est en couple avec Lorenzo, la jeune femme a décidé de se montrer à ses côtés. Mila Jasmine s'affiche aux côtés de son époux. Il y a peu, Mila Jasmine a pris la parole sur ses réseaux et a fait une annonce pour le moins inattendue, terminez là la télé-réalité. La doyenne du reste du monde, qui avait fait ses débuts en télé aux côtés de Nicolas Lozina, a pris la décision de ne plus faire d'émissions désormais. Elle expliquait, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de tout ça, de ce milieu parce que c'est vrai que ben je ne vais pas dire ces derniers mois, mais cette dernière année j'ai été assez déçue. Elle confiait également à sa communauté que c'était un choix qui venait d'elle. Merci pour vos messages et SVP pas de haine envers la prod. C'est moi qui à 50% pour des raisons personnelles, décide de faire une pause mais il y a 50% autres où je me sentais plus respectée lol et à ma place. On verra dans un an comment les choses se passeront d'ici là. C'est sans regret, c'est comme ça. En tout cas, je remercie le public pour tout ce que vous m'avez apporté sincèrement toutes ces années et pour les années à venir. Mila montre son mari Lorenzo. Mais si Mila fait souvent parler d'elle, c'est également pour son histoire d'amour. La jeune femme s'est mariée avec un certain Lorenzo, qui avait déjà fondé une famille avec une certaine Nelia. Il a décidé de la quitter pour la candidate de télé-réalité. N'appréciant pas la trahison, elle lui avait alors interdit de voir leurs enfants. Sauf qu'il y a quelques jours, l'ex de Lorenzo a confié qu'elle avait finalement changé d'avis. Sur son compte Snapchat, la jeune maman a expliqué « Si je vais à Dubaï, c'est parce que mes enfants vont chez leur papa. » Effectivement, il y aura Mila. Je l'ai acceptée à contre-cœur, mais je l'ai quand même acceptée parce que je veux le bien de mes enfants. Leur papa leur manque énormément. Du coup, ils ont besoin de le voir très souvent. Voilà pourquoi je les amène à Dubaï et l'on verra comment ça va se passer. Si ça se passe bien, ils retourneront et si ça se passe mal, ils le verront que lui. Si cela a dû faire énormément plaisir à Mila, cette dernière ne cache pas son bonheur d'être en couple avec Lorenzo. Dès que l'occasion se présente, elle n'hésite pas à en parler. Et pour la première fois, la jolie brune a même posté une photo d'elle et lui en story. J'ai passé une trop bonne journée avec mon amoureux, a-t-elle écrit en légende de ce cliché, tout en prenant soin d'apposer un émoticône sur le visage de son homme. Une chose est sûre, Mila semble toujours aussi amoureuse de Lorenzo.